Regarde qui voilà. T'as vu Stéphanie? C'est la petite Binoclarde là. La petite qui se prend pour une princesse et tout alors qu'elle est hyper moche. En plus ses mains, on dirait les mains de Shrek. Non mais c'est sûr qu'elle ressemble pas à Fiona, elle est encore plus moche. C'est vrai que c'est une Shrek numéro 2 et en plus t'as vu sa salopette. Elle est arrachée. T'es trop moche meuf. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pas cool. Regarde ton vieux livre là. Regarde ce que j'en fais. Mais mon livre. Ouais vas-y ramasse. Pauvre tâche là avec tes vieux livres. Tu t'es cru intelligente. N'importe quoi. Bon ciao là. Dégueulasse. Allez viens on se casse. Pauvre tâche. A few moments later. Je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde me déteste, mais je leur ai rien fait. Il y a toute ma classe, elle me déteste, ils me font à chaque fois des mauvais coups. Ils m'ont jeté encore une fois mon livre dans les toilettes, j'ai même pas pu le récupérer. Bon, au moins je vais pouvoir rentrer à la maison et voir ma petite maman. Ah bon, au moins je rentre à la maison. C'est bien mieux chez moi qu'à l'école quand même. Maman? T'es où maman? Dans la chambre chérie. Oh non, elle a encore l'air malade. T'as besoin de quelque chose, maman? Tu veux que je t'apporte de l'eau, peut-être? Ou t'as besoin de quoi que ce soit? Non, chérie. Amuse-toi. Va t'amuser dans le salon, chérie. Ok, mais si t'as besoin de quoi que ce soit, si t'as faim, si tu veux un verre d'eau, si t'as besoin de tes médicaments, tu m'appelles, hein. Ta mère n'a pas faim. Par contre, il va falloir que tu te fasses à manger toute seule. Oh, t'inquiète pas pour ça, je me ferai à manger, mais tu me dis si t'as besoin. A few moments later. J'ai bien mangé, j'ai fini mes devoirs, qu'est-ce que je peux faire? Y'a rien à la télé. Je vais regarder un petit peu mes TikTok. Ah, mais trop bien! J'ai ma vidéo TikTok, elle a fait 3 vues. Hein? On va laisser des commentaires? Tu ressembles à une chouin. Hein? Tu sais pas danser. Comme ça, je suis sûre c'est des gens de l'école, c'est pas grave. Bon, au moins, il y a une vue sur les 3 qui m'a pas laissé de méchants commentaires. Bon. Ça m'a donné envie de faire une nouvelle danse TikTok, ça. J'ai posé mon téléphone ici. Voilà, juste là. Hop. Et je vais faire ma petite danse TikTok. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friends it never ends. Ah, j'espère que j'ai bien réussi ma danse. Hop, alors. Ouais, en vrai, elle est bien ma danse TikTok. Je vais la mettre sur... Je vais la mettre en ligne. Voilà. De toute façon, tôt ou tard, si je continue, si je persévère, peut-être qu'un jour je vais devenir une star de TikTok. Comme ma TikTokuse préférée. Il s'appelle Quinzel. J'adore ses TikTok. Elle fait plein de TikTok. Bon. En attendant, hop, je vais poster, voilà. Et puis on verra demain si ça marche bien. Et puis peut-être au moins les gens qui n'arrêtent pas de me parler mal à l'école, ils vont peut-être arrêter de me parler mal quand je serai connue. Bon, bah, en attendant, on va regarder une petite émission. Maman? Tu vas bien, maman? T'as besoin de quelque chose? Maman? Tu m'entends? T'es dans le lit, maman? Je peux entrer? Elle me répond pas, c'est bizarre. Je devrais peut-être rentrer à l'intérieur. Maman? Maman, pourquoi tu réponds pas? Est-ce que tu vas bien? Maman? Ouvre les yeux, s'il te plaît. Maman! Pourquoi tu réponds pas? Vite, il faut que j'appelle les secours. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, maman. Ça va aller. Je vais demander de l'aide, ça va aller, maman. A few moments later. Monsieur, est-ce qu'elle va bien? Non, laisse-moi faire, parle pas petite. Un, deux, et trois. S'il vous plaît, faites quelque chose. Attends, faut que je vérifie mon pouls. Dites-moi qu'elle va bien. S'il vous plaît. Elle est en train de crever, attendez. Comment ça? Je fais mon travail. On va la rattraper, vous inquiétez pas. Ressuscitez-la, s'il vous plaît. Alors, je suis pas Dieu, je peux pas la ressusciter, madame. Enfin, mademoiselle.
Un, deux. Faites quelque chose. Il faut que je fasse du bouche à bouche. C'est ma seule famille. C'est la seule technique. Vous inquiétez pas, je vais la sauver. Vous êtes sûr? J'ai lu dans un documentaire qu'on avait plus besoin de faire de bouche à bouche. Un massage cardiaque, ah oui, ça bien suffit. Vu. Bon, faut que je la ramène au bloc opératoire. Allons-y, allons-y. On va bien, on va se charger de votre petite maman. Okay. Ah merde, c'est l'ambulance. Désolé. Je vais m'y faire, vous en faites pas. Comment je passe? Putain, mais elle passe pas dedans. Allez, rentre. Voilà, c'est bon. Encore une sale journée à l'école. En plus, c'est trop triste. Aujourd'hui, je rentre. Oh, il y a des lettres par terre. Je vais voir ce que c'est. Mais je suis toute seule à la maison aujourd'hui, c'est trop triste. J'ai trop l'habitude de voir ma mère. Et là, mais là aujourd'hui, elle est pas à la maison. Bon. Je regarde un petit peu c'est quoi là ces lettres. Parce que pendant que ma mère elle est pas là, c'est moi qui dois m'occuper des papiers. Alors. Oh non, c'est la facture de l'hôpital. Oh non, il y a trop de chiffres. On va jamais s'en sortir. On a déjà 2 mois de loyer sur la maison en retard. Et là, on doit payer 5 000 $ pour l'opération que ma mère elle a subie. Et en plus de ça, elle doit rester à l'hôpital parce qu'elle est très gravement malade. Et on n'a pas d'argent pour la soigner. Comment je vais faire? Non mais je sais pas, je vais jamais m'en sortir. Faut que je trouve un travail. Bon. J'ai vu qu'ils recrutaient au supermarché en ville. Je vais aller travailler là-haut. Je vais essayer d'avoir un poste là-haut parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il faut que j'aide ma mère. Je peux pas rester comme ça. Et en plus, c'est des horaires d'étudiants, donc je vais pouvoir travailler après l'école et les week-ends. Je vais faire ça, tant pis. Bon, allez. Motive-toi, et on y va. A few moments later. Ah, j'ai de la chance qu'il m'ait pris au travail ici. Hein. Bonjour. Mais c'est toi, là, la meuf, au lycée, que tout le monde déteste et tout, et t'es casse-pieds et tout. Quoi? Ouais, je répète, la taupe, elle est juste devant moi, la taupe est devant moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est... Non, je suis juste vendeuse ici, c'est elle tout. Elle me demande qu'est-ce que je raconte, mais j'en ai un peu rien à faire. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Ah, bon. Bon, du coup, vu que je vois que t'as pas assez de travail, je vais t'en donner. Quoi? Mais arrête de... arrête de jeter des ballons partout, t'es en train de tout casser, tu fais tout tomber. Non mais c'est pas possible, je vais me faire engueuler par mon patron, arrête ça, mais tout non, de suite. Tout casser. T'as pas le droit de faire casser. Ça ici. T'as pas le droit, arrête. Regarde, tu vois tes chips? Je vais les casser, regarde. Hop, tac, et je marche dessus parce qu'elles sont dégueulasses. En plus c'est des Doritos, elles sont trop bonnes. Mais reviens par là. À la prochaine. Je vais appeler la police. Non. Oh, il a foutu le souk dans mon magasin. Je vais me faire engueuler. Il faut que je range tout avant que le patron ne revienne. Vite. Oh non, les briques de lait sont par terre. Il y a tout qui est en train de couler partout. Oh non, les chips. Il a écrasé toutes les chips. Je vais plus pouvoir vendre ça. Je vais devoir tout jeter. Mais qu'est-ce qu'il va dire le patron? Ah, j'ai presque fini de nettoyer tout le lait. Bon, il me reste encore un peu de travail. Mais c'est tellement dur là. Il faut que je m'occupe des clients et que je nettoie en même temps. En plus, il y a plein de pertes. Je sais pas comment je vais lui expliquer ça, moi. Comment ça? M'expliquer quoi, jeune fille? Oh non, c'est sûrement la patronne. Et je parie qu'elle est juste derrière moi et qu'elle m'a entendu parler. Bonjour, madame. Mais quel est donc tout ce bazar dans mon magasin? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait un champ de bagarre. Je vais tout vous expliquer, c'est... En fait, il y a un garçon qui est rentré et il a foutu le bordel dans tout le magasin et j'ai voulu appeler la police mais il est reparti très vite. Cela fait 10 ans que je garde ce magasin et il n'y a jamais eu de problème. Là, je t'engage une journée et c'est le bordel. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Explique-moi. Regardez les caméras de surveillance, vous allez voir, c'est pas moi qui ai fait tout ça, j'aurais jamais fait ça, madame. Dans tous les cas, tu es un problème, et moi les problèmes, je les élimine. Je veux pas de ça ici, je suis désolée, mais ta journée d'essai se termine maintenant,
Non, non, elle se termine pas maintenant. D'abord, tu vas finir de tout me nettoyer. Et ensuite, tu rends ton tablier et c'est fini. Tu ne reviens plus demain. Madame, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce travail. C'est très, très important. J'ai ma mère qui est malade. Il faut que je gagne de l'argent. Oui, bien, bien sûr. Et demain, tu vas me dire que c'est ton chien qui est malade. Cette excuse ne marche pas. On me la sort tout le temps. Ce n'est pas mon problème. Dans tous les cas, tu n'avais qu'à bien faire ton travail. Maintenant, je t'ai déjà dit, tu prends tes affaires à la fin de ton service. Je te donnerai ton argent pour aujourd'hui, mais demain, je ne te revois plus. Sur ce, bonne journée quand même, jeune fille. Et comment je vais faire? J'ai plus de travail, je vais faire comment pour payer les frais? Et en plus, si je paye pas la maison, dans un mois, ils vont me foutre à la porte. Quelle journée, vraiment. Ouf, ça me déprime. Ça me déprime, là, il faut que je regarde un petit peu les papiers. Et là, franchement, je vais pas m'en sortir. Jamais je retrouverai un travail. Et même si j'en retrouve un, j'aurai jamais le temps de payer tout ce que j'ai à payer. Et puis en plus, ma mère qui est malade, il faut qu'elle se refasse opérer. Sauf que les médecins veulent pas l'opérer parce qu'on n'a pas encore payé la première opération. Oh là là, du coup, si je veux pas que ma mère, elle meure. Si je veux pas que perdre ma maison. Il faut que je trouve un moyen de payer tout ça. Mais honnêtement, à part braquer une banque, je vois pas ce que je peux faire. Bon. Je vais faire quelque chose. Je sais pas un truc que j'aurais voulu faire, mais... Peut-être que quelqu'un trouvera une solution et pourra me l'apporter. Je vais faire un TikTok. Je vais raconter mon histoire. Et je vais demander aux gens s'ils ont un moyen de m'aider. S'ils connaissent des gens. Si peut-être, je sais pas, il y a un moyen. Peut-être que quelque chose que je connais pas. Peut-être une administration qui puisse m'aider. Peut-être, je sais pas, une assistante sociale. Il y aura peut-être quelqu'un qui aura une réponse à mes questions. Ok. Faut que ce soit sincère. Je vais me poser tranquillement. Ok, je suis prête. Faut pas que je pleure, faut que je fasse bien la vidéo. Ok. Bonjour TikTok, je m'appelle Ophélie. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Donc, je vis actuellement toute seule dans ma maison. Dans un mois, je vais me faire expulser. Ma mère, elle est malade, elle est à l'hôpital. On peut pas payer sa première opération qu'elle a déjà faite. Et du coup, les médecins ne veulent pas payer la deuxième opération. Et si on la paye pas, ma mère, elle va pas tenir longtemps. Il se peut qu'elle meure dans quelques mois. C'est une opération qu'elle est obligée de faire. Malheureusement, on n'a pas d'assurance en santé. On est trop pauvre. J'ai pas d'amis. J'ai personne à qui me confier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise TikTok pour essayer de... Peut-être de toucher un peu plus de monde. Et que quelqu'un puisse venir en aide. Rien que vous me lâchiez un petit commentaire pour me donner des petites astuces, s'il vous plaît. Parce que je suis vraiment triste, je suis seule, je sais pas quoi faire, il y a personne pour m'aider, j'ai pas de famille, pas d'amis. Et j'ai été au travail malheureusement à cause d'élèves du lycée qui me détestent pour je ne sais pas quelle raison. Je me suis fait virer car ils ont foutu le bordel dans le magasin. Et là vraiment j'ai plus d'issue, je ne sais plus quoi faire. Et vous êtes vraiment les seuls à qui je peux poser cette question. Je sais pas comment faire autrement. Je pense qu'il y a que TikTok qui va pouvoir peut-être permettre de faire tourner ma vidéo. Donc s'il vous plaît, même si vous avez pas de réponse à mes questions, partagez cette vidéo. Peut-être que dans votre entourage, vos proches, vos parents, peut-être que quelqu'un pourra m'aider. S'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Je vous demande rien de plus. Je vous demande pas de l'argent. Je vous demande rien du tout. Juste des conseils, s'il vous plaît. Voilà, c'était Ophélie et c'était mon histoire. Bon, je vais poster comme ça, je vais pas faire de montage dessus. Je vais le poser comme ça, directement sur TikTok. Voilà. C'est fait. Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, et on est avec une invitée très spéciale. Donc... je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, évidemment. Cette invitée, c'est Ophélie, qui est là depuis un an, qui a percé sur TikTok. Donc, voilà. Donc, un maximum de d'applaudissements. Voilà. Donc, Ophélie, dis-nous comment tu en es arrivée à là aujourd'hui.
Merci beaucoup et bonjour Thierry, bonjour à toutes les personnes qui regardent cette émission. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir, j'adore votre émission. Et concernant ma carrière sur TikTok, effectivement, il y a un an, jour pour jour aujourd'hui, que j'ai posté une vidéo et jamais de la vie j'aurais pensé qu'il y aurait autant de monde qui l'aurait regardé, qui l'aurait partagé et surtout autant de personnes qui m'aurait aidé. Alors effectivement, j'ai été dans une situation très délicate, ma mère qui était malade, j'avais besoin d'argent. Et donc j'ai fait un TikTok où je demandais de l'aide. Et écoutez, il y a eu des stars qui ont repartagé, il y a eu Rihanna, Kanye West, Kimka. Oui, il y a même Cardi B. Enfin, il y a plein de stars qui ont partagé mon TikTok, il y a plein de gens qui m'ont aidé et il y a eu tellement de vues sur cette vidéo-là et sur toutes les autres qui ont suivi derrière. Et des stars qui m'ont aidé financièrement, que j'ai pu payer l'opération à ma mère, j'ai pu finir de payer la maison. On s'est même acheté une maison avec ma mère depuis et tout va bien. Et je continue ma carrière, je sais pas si vous savez, j'ai bientôt un nouvel album qui va sortir, ma première musique. Et sans oublier aussi le nouveau film qui va sortir, Jurassic Blocks, très très bon film, donc j'ai hâte de le voir. Racontez-nous-en un petit peu plus sur ce film là qui est en préparation là. Ah, Jurassic Blocks, effectivement, qui a été tourné pendant la canicule, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et c'est un film qui va sortir au cinéma dans 2 semaines, dans tous les cinémas de Brookhaven. Et dedans, y aura moi en tant que rôle principal, je serai le dinosaure. J'adore. C'est moi perso, j'ai très hâte que ça sorte, en tout cas voilà. Notre très chère Ophélie qui est avec nous, invitée spéciale aujourd'hui, donc qui a joué dans pas mal de films, qui notamment lance sa carrière dans la musique, donc voilà. Moi je vous souhaite un excellent avenir pour la suite et que votre carrière soit une réussite. Voilà. Je vous remercie Thierry, merci à toutes les personnes qui ont regardé l'émission, je vous fais un très gros bisou bisou. Après cette émission, je vais m'arrêter au drive, j'ai un petit creux. Bonjour. Oui, bonjour. Ce serait pour un menu Happy Meal s'il vous plaît. Vous voulez quoi comme boisson exactement dans votre Happy Meal? Alors ce serait cheeseburger, frites et coca sans glaçons s'il vous plaît. Ah oui, et le jouet garçon. D'accord, y a pas de souci. Ça vous fera au total 4 euros. D'accord, merci. Ah, plus le jouet, apparemment c'est un Marvel, c'est Spider-Man cette semaine, trop cool. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on se connaît? Non, moi je vous connais, je vous ai déjà vu sur TikTok, mais mis à part ça, je ne vous connais pas. Mais si, je te reconnais, toi, t'es venu dans le magasin quand j'y travaillais, t'avais foutu le bordel, c'est toi? Ah bah, non, c'est pas moi. Mais si, je m'en souviens, t'avais même écrasé les chips, les Doritos. Non, c'est vous faites erreur. Je suis pas né à Brookhaven. Ah, ok. Bizarre. Mais d'accord, bon, ok, y a pas de problème. Hein. Bon, je vous ramène votre plat. Happy Meal. Oui. Je suis sûr que c'est lui. Est-ce qu'il y a moyen que je prenne une photo avec vous avant que vous partez? Oui, bien sûr. Pas de problème. Tenez votre Happy Meal. Merci. Bon, j'arrive, hein, je descends avec mes petites pattes. Attention. Attention à la pépé, hein. Ah. C'est désolé, pas grave. J'ai pas fait exprès. Heureusement que je suis riche, je vais pouvoir remettre la carrosserie à propre. Bon, allez, vous pouvez prendre une photo. Bougez pas, s'il vous plaît. Ah, alors attendez. Voilà, je vais y arriver. Hop. C'est bon, je grimpe. Eh, bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Ouais, je suis sûre, c'était lui, mais il assume pas. Ah là là, c'est un peu dommage, il a fini travailler au McDo, mais bon.
Thank you.